Donc je suis venue au lycée Lesage, donc c'est pas mon lycée de secteur, mais je suis venue parce que ma grande soeur et mon grand frère étaient lycéens à Lesage. Et donc j'ai entendu que du bien de ce lycée, et mes parents voulaient absolument que j'y aille, que je continue dans cette lignée de Lesagiens. Et donc je suis absolument satisfaite de mes 3 années au lycée. J'ai beaucoup évolué, j'ai grandi, j'ai développé mon autonomie surtout, et c'est vraiment, ça m'a beaucoup apporté. J'ai pu faire des rencontres et diversifier aussi mon entourage, donc ça m'a permis d'en apprendre plus sur les gens en général, et je pense que c'est aussi ça qui fait la richesse du lycée. En venant à Lesage, plus qu'un lycée secteur, on sait que c'est un lycée de proximité, on peut retrouver une certaine mixité avec beaucoup d'options, beaucoup de profils, des artistes, des sportifs, des intellectuels, des sportifs aussi et des intellectuels, mais des musiciens, des amateurs de langue. Et donc au final, dans ces classes, on retrouve beaucoup de mixité avec la possibilité de découvrir tous les individus dans des classes assez réduites à 24, où on peut vraiment apprendre à connaître l'autre et rencontrer des personnes et des nouveaux profils. Je trouve que les profs, ils nous apportent beaucoup et ils sont toujours à nous encourager dans nos projets. Et je trouve que c'est ça aussi qui fait que Lesage, c'est un bon lycée. Et que les profs, ils sont toujours là. Si on a besoin d'aide, ils sont toujours prêts à nous aider dans les situations. Possibilité à Lesage de prendre les spécialités qu'on veut. Et donc, il y a une tonne de spécialités différentes, ce qu'il n'y a pas forcément dans les autres lycées. Puis il y a cette diversité de spécialités qu'on ne retrouve pas partout. Bah, je sais qu'il y a il y a la spécialité cinéma, il y a la spécialité théâtre, il y avait la spécialité musique et art plastique. Donc c'est vraiment, en fait, chacun peut se créer son propre parcours et chacun peut choisir les spécialités qu'il veut. Et en plus, en combinant avec toutes les options, que ce soit linguistique, mathématique, scientifique, on a vraiment, en fait, un emploi du temps qui est adapté à chacun et à ses désirs et à son choix d'orientation, finalement. La SIA, c'est donc la section internationale, c'est vrai que c'est une expérience folle. On arrive en seconde dans une classe avec que des têtes et on se dit oulala, comment on va y arriver. Et au final, comme vous disiez, on est à notre dernière semaine, il nous reste 2 jours de cours entiers et en fait on se rend pas trop compte que c'est la fin. Et je suis très contente d'être venue ici du coup parce que j'ai eu l'opportunité de suivre plein d'options sans avoir à faire de choix. En plus de ça, j'ai suivi une prépa médecine. Sachant que j'ai fait beaucoup de choses, sachant que je suis interne, cette prépa c'était le soir, à l'heure où normalement les internes mangent. Et le lycée a réussi à mettre en place un système qui faisait que je pouvais suivre ma prépa et après aller manger. Alors c'est le tournoi français des jeunes mathématiciennes et mathématiciens. En fait c'est un tournoi de mathématiques qui s'organise à l'échelle régionale et à l'échelle nationale. Aller en option théâtre, c'est vraiment super c'est cool, vraiment super c'est vraiment génial, genre c'est incroyable. Pour la confiance en soi, pépite. Et pour le volume sonore. Le lycée qui nous accompagne, personnellement, moi qui envisageais de passer le concours des UP, le concours Sciences Po, la mise à disposition d'une prépa qui commence maintenant dès la première, une prépa totalement gratuite avec des enseignements de qualité et des professeurs impliqués. J'ai été en STMG. Déjà, on peut juste parler des stéréotypes. Les STMG, ils n'ont pas de, enfin, ils n'auront pas de vie plus tard ou quoi que ce soit. C'est faux. Déjà, en fait, on apprend juste de nouvelles matières, donc de nouvelles bases. Une matière plus concrète. Et ouais, c'est une filière qui est intéressante quand même. Oui, c'est intéressant. Puis on apprend vraiment. C'est un choix. Oui, c'est un choix. Ouais. Ouais, parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent penser que on met les élèves à dos par dépit. En fait, la plupart, on peut, par choix. On peut le choisir aussi, hein. On n'est pas obligé d'aller là-bas. Donc, ouais. Il y avait la filière STDD. Moi, j'étais dans un autre lycée à Vannes. Et j'ai un professeur de maths qui m'a bien aiguillé et proposé de faire STDD. Donc, j'ai beaucoup hésité entre de faire la voie générale ou la voie STDD. Et puis le lycée m'avait l'air attractif et assez intéressant, et la filière me correspondait parfaitement. Donc, niveau
niveau matière scientifique, donc voilà. Par exemple, ouais, pour le bac aussi, on a eu beaucoup de choses qui allaient beaucoup plus loin. Style première, même deuxième année, je crois qu'on a eu des choses de deuxième année de BTS ou BUT qui étaient vraiment très intéressantes et je pense que ça nous a tous facilité, que ce soit pour le bac ou même pour l'année prochaine, je pense qu'on les remerciera franchement de nous avoir fait des choses plus poussées. Je suis arrivée là, j'avais 15 ans, à 60 km de chez moi, toute seule, sans connaître personne. Et au final, le lycée, c'est devenu notre maison. On est arrivé quand on était en seconde, on ne savait pas comment vivre en groupe. Et en fait, on a appris à vivre tous ensemble et à grandir tout ensemble. Et au final, on va tous être autant tristes les uns que les autres parce qu'on ne se rend pas compte de à quel point ça va nous changer, de passer de vivre à 30, même à plus que ça, 5 jours par semaine, à être nous tout seuls ou à 2-3 max dans nos apparts l'année prochaine. Et peut-être difficile ou dans le sens où ça changeait beaucoup par rapport à d'habitude et on est constamment avec d'autres personnes, etc. Et c'est pas compliqué, mais c'est juste faut prendre le rythme de vie et on a des horaires précis à respecter. Moi, je suis de l'internat, j'habite à Lorient et je suis venue ici pour étudier la langue anglaise au sein de la section internationale américaine. Et donc le soir sont organisés des temps de travail de 18h45 à 21h15. Donc c'est très pratique pour pouvoir travailler. C'est le temps qu'il faut pour pouvoir être à fond dans ses études. L'équipe des surveillants est à fond avec nous pour nous aider à travailler et à entretenir un bon cycle de sommeil, parce que c'est important quand même. Alors moi je m'appelle Margot, je suis en terminale générale et je suis venue au lycée parce que c'était un lycée qui était facile d'accès pour moi parce que j'habite sur une île qui est assez loin d'ici, enfin à une heure de bus. J'ai pu pendant ces deux années organiser plein de projets dont des soirées bowling, des soirées à thème, des soirées cinéma. Les surveillants aussi organisent en tête soirée des soirées jeux de société, des soirées jeux de rôle. Et du coup, on se sent vraiment encadré. Là, des rencontres, quand on arrive au lycée, on rencontre de nouvelles personnes et ça, c'est hyper important. Surtout en étant interne, on arrive, on connaît personne et on repart à trouver des frères et sœurs parce qu'on vit avec eux. Avec les autres élèves, c'est pas du tout la même chose. Enfin, vraiment, on peut être soi-même et ça, c'est plutôt cool. Oui. Enfin, ouais. Il y a beaucoup moins de jugement qu'au collège et on est beaucoup plus libre. On peut partir du lycée quand on a fini sans les mots signés et tout ça. Et moi, c'est surtout la liberté qui m'avait marquée. Et aussi, la MDL, ça va être, donc la maison des lycéens, ça va être un souvenir mémorable. Parce que je suis arrivée là en seconde, on m'a dit « ouais, il y a ça qui existe, c'est pour faire des événements dans le lycée ». Et je me suis dit « bon, bah pourquoi pas, ça a l'air sympa ». Et donc je suis allée à la réunion et je me suis retrouvée vice-secrétaire et donc j'ai commencé à donner de mon temps, à m'investir dans ça. Et en fait, j'ai adoré et je suis là en terminale, présidente de la maison des lycéens, à organiser des événements comme le Sage fait son show ou le bal de promo ou des choses comme ça. Et on apprend à faire tellement de choses, à envoyer des mails, à passer des coups de fil professionnels, à s'adapter à une administration, à faire des choses qu'on n'aurait pas appris si on n'avait pas fait ce genre de choses. Et je crois qu'on ne se rend pas trop compte de la chance qu'on a d'avoir l'administration qui nous soutient autant dans ce genre de projet et qui nous permet de faire ce genre de choses. Parce que je sais que ce n'est pas le cas dans tous les lycées. Bon, tout début, j'ai commencé avec en étant délégué de classe. Après, on commence à découvrir le lycée, ses engagements, le cycle citoyen un peu. Et je commence avec à me présenter en tant que membre du conseil de la vie lycéenne académique. Donc on rencontre des gens qui viennent d'un peu partout de Bretagne. Bah, j'ai trouvé ça bien que le lycée soit animé en fait par les élèves, même la MDL, etc. Je trouve que c'est important qu'ils vivent, mais pas que par les professeurs et les cours. Par exemple, avec le Sage fait son show, on est tous mélangés, il n'y a pas de,
n'y a pas de contraste entre les premières, terminales, les secondes, ou les classes, ou machin. Il n'y a pas de jugement ou quoi que ce soit. Moi, j'ai fait le journal du lycée. Bah, ça m'a beaucoup apporté dans la manière de gérer les choses, que bah, cette année, je suis rédactrice en chef. Et donc, ça m'a permis aussi de m'affirmer face à des personnes que j'ai dû interviewer, parce que c'est pas si simple que ça d'interviewer des personnes qu'on connaît pas. Et ouais. C'est un lycée aussi qui défend beaucoup de causes. Ben les valeurs, ça, je pense qu'il y a un côté du lycée qui développe aussi les valeurs qu'on a envie de porter. Par exemple, en s'engageant dans des associations, ou le fait qu'il y a quand même une forte conscience qui naît parmi les élèves, je pense même aux manifestations, aux mouvements de jeunes qui entourent le lycée. Et du coup, c'est vrai que c'est des valeurs que j'avais pas forcément en rentrant au lycée, ou que je pensais pas avoir, et qui sont nées, ou en tout cas qui ont pris une place de plus en plus grande dans ma scolarité. C'est un lieu où on vit, où les internes vivent vraiment aussi plus que la normale. Et donc, c'est un lieu où on est censé bah, faire autre chose que les cours, avoir une vie de lycée. Et c'est ça qui était intéressant aussi à l'ESH, c'est qu'il y a des associations, il y a du sport qu'on peut faire, il y a plein de projets en fait qui peuvent être montés. Il y a les délégués, il y a les éco-délégués, la maison des lycéens. Donc, c'est-à-dire que c'est aussi un lycée qui vit et qui devient un lieu de vie pour les lycéens et les étudiants, et pas seulement un lieu de travail. Et c'est ça qui est aussi intéressant. Ouais. C'est ça, il y a de la bonne humeur. Il y a un beau cadre, ouais, des beaux espaces, vrai. Un bel internat. Parce que, en fait, c'est surtout au niveau de l'encadrement, je trouve que c'est vraiment un bon encadrement par les, bah, déjà les CPE, parce que vraiment, je trouve qu'il y a une proximité. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est pardon. Vrai. Il y a vraiment une proximité avec les élèves. Après, j'ai aimé les espaces verts parce que bah, je venais d'un collège assez bétonné, donc ça change. Et il y avait les, bah, et il y a toujours les associations sportives à côté, donc je peux directement aller au sport après le lycée, et ça c'est quand même pas mal. Je pense que ce qui m'a le plus marqué pendant ces années, c'est mon engagement dans l'association des ambassadeurs contre le harcèlement. Où du coup on a pu avoir un bon groupe avec une bonne ambiance et on a pu avancer pour lutter contre le harcèlement et je trouvais ça vraiment bien. J'avoue, j'étais très stressée au moment d'arriver ici et en fait j'ai découvert pas mal de personnes vraiment adorables et qui m'ont tous très bien accueilli. J'ai même découvert certains rugbyman qui sont de mon âge, qui étaient vraiment très gentils. Et puis les profs ont fait en sorte de nous mettre tout de suite à l'aise dans le lycée, donc vraiment c'était parfait. Ces trois années sont plutôt très bien passées pour ma part. Je suis du coup membre au pressant de formation. J'ai pas été admis au pôle espoir, moi, pas académie. Et du coup, pour cette année, j'ai été sélectionné en équipe de France moins de 18 pour participer au tournoi des Six Nations en Irlande. Là, je faisais du rugby et j'avais entendu que le SAGE avait un pôle espoir au rugby et j'avais l'opportunité d'être du coup une des seules filles qui pouvait aller au pôle rugby et permettait aussi avec le pôle de Rennes. Quelque chose, pas le lycée, c'est un endroit où on passe beaucoup de temps et on s'y sent bien, donc Allez au lycée le sage.